Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisoir. Lionel Messi, Lionel Messi et le Barça se rapprochent du titre de champion d'Espagne, 26e titre de champion d'Espagne, tend la main au FC Barcelone. Donc Barça, classement vie, 73 points, 31 matchs, 81 buts marqués, 31 buts encaissés, plus 50 goals à verrage. Atlético, 102 points, 31 matchs, donc c'est pour dire que le Barça a désormais 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Le Real Madrid, 3e, 60 points, donc 31 matchs. Le Real a 13 points de retard sur le FC Barcelone. C'est pour dire que le championnat est quasiment plié. Le Barça sera champion pour la 26e fois de son histoire. Et Messi a marqué son donc, 33e but en championnat. Donc Messi est plus que jamais. Donc le souleur d'or européen pour le moment. Sauf miracle, il sera souleur d'or européen. Donc le match c'était difficile hein, entre l'Atlético Madrid et le FC Barcelone. Donc ils ont joué avec de la pression, donc de l'agressivité sur le poteau du ballon. Mon premier temps c'était difficile, mon temps Messi a perdu beaucoup de ballons parce que le Barça était calculateur. Barça donc ils tahou aussi, donc Barça jetait wul donc face à l'Atlético Madrid donc ils ont calculé def dang parce que le match c'était un match tactique. Atlético ce sont des joueurs tactiques avec un excellent coach Diego Simeone. Mon temps Barça tahou mais le tournant du match c'est le carton rouge à la 28e minute de jeu de donc Diego Costa faute amna mu ñoo kenn xamul la wax arbitre est ce sago ko kenn xamul mais l'arbitre a brandi le carton rouge direct dako tamaté nako demal ñibi bu Diego Costa rouge blanc le sol arbitre tayal ko ci ben tamaté nako demal sangudi ta nga dem turbine sa match jeexna donc ñu tamaté ko mu dem ñibi tamaté loxati donc gis nañ né Diego Costa lool mo nek le fait marquant ou bien le tournant du match donc l'infériorité numérique a pesé sur la rencontre après Barça deuxième mi-temps donc ñu pousser ba wa Atlético pressé len ba Atlético mudé bayyi et Suarez a marqué à la 85e minute de jeu Messi à la 87e minute de jeu vous voyez à 5 minutes de la fin donc de la 87e à la 85e donc gis nañ né ci ñaari minute yoy ci le ñaari 6 minutes yoy ci le Barça dougal c'est pour dire que le Barça a carrément pressé donc l'Atlético dañu mudé bayyi donc dañu lâcher fin temps lañ lâcher Messi dougal avec Luis Suarez donc son lieutenant Messi c'est le général du FC Barcelone. Et donc son lieutenant c'est donc Luis Suarez et son capitaine c'est Jordi Alba autour de la passe décisive pour Luis Suarez. Donc le Barça s'impose et le Barça tourne naturellement donc a dominé les débats. 103% de possession de balle, 37% de possession de balle pour l'Atlético Madrid, 21 tirs au total, 10 cadrés, 2 buts. C'est pour dire que le Barça a largement dominé la rencontre. Donc il n'y a pas eu de débat, donc vote sans débat. Donc le débat c'est le carton rouge, est sévère, donc non sévère la Diego Costa wax arrive bam rouge ko directement donc lolu je pense que sama envoyé spécial dinañ mako loxati feulé ci Barça ak Atlético Madrid parce que donc lolu war nañ ci mëna ben enquête. Donc le Barça est leader de donc du championnat d'Espagne, 73 points donc et 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid deuxième. Donc le Real Madrid auparavant donc le Real Madrid avant cette rencontre en levée de rideau avait battu Eibar 2-1 donc sans souffrir hein, donc sans donc avec beaucoup de souffrance au temps pour moi, le Real mettait en trop, mais Real gagnait na grâce à un doublé de Karim Benzema. Donc dougalon na ñu VAR bi nako don fi do fi nané neex après Benzema dougalat donc ñaari mbeuk donc Benzema est en forme et Benzema maintient le Real à flot. Donc deux passes décisives de Marco Asensio et de Toni Kroos. Donc le Real maintient sa troisième place qualificative directement pour la Ligue des Champions. Donc, Felice Italie, le derby d'Italie a accouché d'une victoire de la Juventus de Turin face au Milan AC. Donc, Juve, d'abord, n'a pas été Milan, parce que Juve, à chaque fois, il y a une équipe italienne. Donc, Piatek, mon Dieu, c'est une erreur de relance de Leonardo Bonucci, l'ancien Milanais. Donc, après Piatek, Dougal, Piatek, Dougal. Donc, le premier but de la rencontre, 39 minutes de jeu. Deuxième mi-temps, Paulo Dybala provoque penalty. Romagnoli, donc, rapidement, Mouchakio, l'Argentin, nous dans le cas où Djoko Corbi arrive à siffler penalty. Bon, c'est discutable toujours, mais donc l'arbitre a sifflé penalty. Paulo Dybala s'est fait justice lui-même avant que Moïse Kean, donc la star actuellement de la Juventus de Turin et du football italien, Dougal le but de la victoire. Son cinquième but sur les 5 derniers matchs. Donc, Moïse Kean est en pleine forme. Donc, Moïse, c'est actuellement le sauveur de la Juventus de Turin. Donc, Juve gagne. Et Juve, donc, va vers un. Donc, un énième titre de champion d'Italie. Parme, Torino, 0 buts partout. Sampdoria, Rome, Mokofé, qui partage le 1 but à 0. Donc, victoire au Barnachi AS Roma, qui revient sur le Milan AC de Ousmane Thiam, de Baba Saho et de Jim Momar. Donc, au classement, Gisène, la Juventus de Turin, en attendant le match donc, de l'Inter et du Napoli. Juve, on a 44 points avec, donc, 21 points d'avance
sur le Napoli. Donc Napoli, Givraille, 21 points à 7 journées de la fin, donc Barina Torop. Inter, donc 3e, 56 points. Milan, toujours 4e, 52 points. Mais Atlanta Bergam, Boudoré, ça, d'ailleurs, au Milan. Voilà, Bounilé, ça, d'ailleurs, au Milan. Parce que Golaveras, on a plus 23, Milan, on a plus 15. Donc le Milan est plus que jamais menacé pour son retour en Ligue des Champions. Fallait-il Allemagne, Gisnegne, donc Dortmund, Bayern Doko, Dor, donc Yambi, Bayern Delena Saflek, donc Bayern Dafa Saflek, les abeilles de Dortmund, 5 buts à 0 avec un doublé de Robert Lewandowski, Salif Sané, Mondrinko Dor, donc Dinko Dor, Entrant Francfort, Mongo Dor, donc Salif Sané, Bolegi Sauvegul, donc un championnat d'Allemagne, donc Salif Sané, il vit, donc des saisons difficiles, Manchester City, Modor, Brighton et Hove Albion, 1 but à 0, donc Fayat Chapatadi, parce que Manchester City, donc Nyom, c'est une particularité, c'est qu'il marque. Donc, au niveau de la première mi-temps, voilà, au niveau des 20 premières minutes, Manchester City des doubles. 4e minute de jeu, Fajar Chapantadi, Biginaginan, Kokoriko, Gabriel Jesus, double. Donc, c'est le seul but de la rencontre. Et City attend le vainqueur Watford, Wolverhampton, pour jouer sa finale, donc, de la Coupe d'Angleterre. Donc, City va vers un quadruplé, championnat, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue anglaise et, donc, Coupe d'Angleterre. Donc, ça sera, donc, très discuté cette fin de saison avec Manchester City. Donc, le Barça s'impose, la Juve s'impose, City s'impose. Donc, les ogres des championnats européens sont imposés en ce samedi de football.